La première fois que tu es aussi joyeux. C'est que ça m'a plu très comique et très amusant. Oui, il n'y a rien comme la comédie pour faire oublier les soucis de cette vie. La comédie provoque le rire. Et le rire est le meilleur thérapeutique contre les chimères de cette vie. Donc, continue à rire. Ça veut dire là. Vous voulez dire ma chimère? Mais j'ai pas fait allusion à toi. Tu es susceptible? Oui, mais tu en vois point. Écoute, Jackie va venir pour nous amener à dîner au restaurant. Tu dois te dépêcher. Ou était là, bien relax, coucher son cabane, on livre non mais on wapli. Oui, relax comme toujours. Habille-toi. Mais à la pression, pressée. Ah, ou quand ça passe, ou pas brancher corps, ou faire perdre du sorti ça, non? Ah, bon. M'entends, ma chérie, à partir d'aujourd'hui, je prends une décision pour me sortir avec vous très souvent. C'est vrai, chérie. Ma belle sortie. Ma belle sortie. Où ça, tu comptes m'emmener? Dans un grand restaurant? Non. Ma belle sortie pour me chercher de masse. Oh. Ça vient. Est-ce que tu es tout droit? Oh, oh. Comment? Je ne comprends pas. Oh. Alors, ouais, figure qu'on n'y a pas le temps de me chercher de masse. Oh. Ça, je ne sais pas si tu vas me chercher de masse là. Oh, mais longtemps. Chalmas fut le lieu de prédilection de promenade. Et longtemps, les amoureux se promenaient au Chalmas, la main dans la main, écoutant la musique du palais, exécuter une sonate sur la baguette magique de l'immortel Oxyde Gentil. Mais c'est un révolu. Alors, Kounéan, ou vraiment des jeunes d'à présent, pour y avoir sorti à flâner la main dans la main sous Chalmas. Oh, mais, Chalmas, c'est un bel endroit. Vous m'avez pas remarqué? C'est un endroit de promenade, oui, parce que il y a des belles bagages Chalmas. Masse. Ah, c'est pas vrai. Chalmas, masse, comprenez bien. Chalmas, masse, où il y a Mubana. Mubana, c'est une belle exécution, c'est un paquet d'affaires. Étrangers sont juste là-bas, viennent visiter. Oh, c'est vrai. Ah bon, où il y a une statue d'Indien, où il y a un nègre marron, et puis il y a le palais en face, pour une belle bagage. Ça devient bagage. Oh, alors oui. Alors, et français, les Français n'ont pas honte de se promener aux Champs-Élysées. Mais mon cher, tu es drôle. Alors, on va comparer Champ de Mars avec Champs-Élysées. Oui, deux champs quand même. Ah oui, mais si Champ de Mars était à Paris, il était, c'est l'autre avec son paquet à fait, complexe. Oui, si Champ de Mars était à Paris, ou après son merveille. C'est parce que dans Haïti, nous, les Haïtiens, nous ne sommes pas capables d'apprécier ça dans le pays, nous. Soit nous n'avons pas de valeur. Mais je n'ai pas dit ça. Ah, c'est ça que vous voulez dire. Ouh, comme j'aimerais admirer Paris, les Champs-Élysées, et voir courir le plus grand fleuve, la Seine. Oui, oui, mais Porto Preno aussi est coupé par un fleuve. Qui fleuve? Bois de Chienne. Oh, papa, tu n'es pas habillé. Non. Pourquoi? Ah. Bah ouais, papa, chita là, bien relax, ça qu'on livre normal, abdime que son livre comique, rappelez on livre à maison. Oui. Papa, eh bien. Oh, mais j'allais oublier. Ton papa m'a promis de m'emmener sortir. Oh, où ça? Il va le mener flâner Champ de Mars. Oh! Tu me fais rire. Au Champ de Mars? Oui. Ah, papa t'a dit cela pour te taquiner. Taquiner? Non, je parlais sérieusement. Bon, papa, habille-toi. Jackie va venir. Oh, dis-moi ça, dis-moi, piquer la cam. Pour pas dire il va venir, faut le citer non. Bon, mesdames, donne-moi mon sang. Nous te donnons ton sang. Mélanie, viens. Ça passe. Viens dans des belles causes. Ça passe. Mettre l'un des chats, invité madame à le promener. Qui miracle? Devine de qui côté? Champ de Mars. Mais papi, tu as un garçon, tu as offert une sortie et puis mal promené, tu as gardé, quand tu as mené sur Champ de Mars. Bon, ça, tu as fait au même. Tu as classé comme un gros soulier. Ah, marche. Bon, oui, bon, ça, Champ de Mars gagne pour ne pas le promener sur Champ de Mars. Moi-même, dès qu'on mène le ménagement, il faut venir sous Jean de Masse, à l'aise. Vous-même? Mais pas un monde sérieux.
même ou connaît sous Chan Mas ou même. Mais si moun connaît rencontrer Chan Mas bon nèg, man, moun sérieux Chan à promener sous Chan Mas. Bon même qui compte au côté. Parle là machin bas avec cuisine nous. Garde Azibé. Ou parle docteur Jacques lui même, lui invite moun yo sorti qui côté la mené yo. Ah, ça c'est bagay moun chek, moun qui décor. Moi avec vous, c'est pour nous contenter nous. Elle prend tu l'es nous sous Chan Mas. Déjà d'où l'on a parlé de vous même pas l'autre n'a même pas ni avec vous. Bon même pas comprendre rien non. Soit comprendre au plus passé. Soit gain plus en plus passé ou propose pas camarade moyen. L'instruction, l'éducation. Mais Richard, on presque fin habillé oui. Mais levez non. Jacques est un homme qui est toujours à l'air. Mais à la fin, nous regardons vous docteur Jacques Noir. Oh, ma babille, elle dit me dit ma babille. Alors, Rimdari, si vous regardez moi, Jacques Noir, pas jamais mes pieds. Pourquoi aurait-il fait pareille chose? Ah, Simon, vous voyez, vous connaissez, t'as qu'à père frère dîner. Jacques n'a jamais fait preuve de mesquinerie. Ah, vous voulez dire, c'est moi qui fais preuve de mesquinerie? C'est toi qui l'as dit. Pas moi. Oh. Bon, chaque femme qui est là, moi, elle a discuté. C'est papa ou? C'est maman. Donc, c'est nous tous les deux. C'est vous qui devez me donner le bon exemple. Si vous vous querellez à longueur de journée, Jackie et moi, une fois mariés, nous ferions la même chose. C'est vrai. Les parents doivent se garder de discuter en présence de leurs enfants. C'est vrai. Bon, vous le saviez. Et vous le faites très souvent. Mais même les mariages à qui nous pas comme ça, non? Oh, marié? Oh, qu'est-ce que Richard fait comme ça, non? Ça me sert le Richard qui est les fois comme ça. Mademoiselle Nola qui a parlé de marié. Vous savez qu'on aime ce que Richard est stupide? C'est le premier papa où moi ne veux pas les petites filles ont parlé de mariage. En tout cas, Docteur Jacques, marie-vous cette fois-ci. Je sais comprendre. Bon papa, lève-toi et habille-toi. Lève-toi. Je me lèverai, je me lèverai pour mon compte. Ah, mais alors si c'est spontanément, si Jacques ou l'a pas venu, tu as pris ce gisement. Jacques est venu. Oh! Levez, oh. Levez. Donc, levez, le Richard. Vous ne pouvez pas mettre mon en retard, non? Comment me faire accepter à l'idée ça? C'est ça que je ne peux comprendre. Oh. Je vais tenir compagnie à Jacques. On t'attend. Vite. Baron, vous ça pour moi pour m'accepter à l'indiner que Jacques invite. Comment me faire accepter ton mari comme ça? Avec dîner, ça m'a accepté, puis elle soukoum. Entrez. Mais dîner, ça semble un piège. Où est-ce que ça? Mais comment faire accepter un bail comme ça? Je m'a accepté, je ne connais pas. Mais je connais comment je soutiens un bail ça. Je ne raconte ça que passe là. Je m'a accepté un bail pas ça. Sors, monsieur, fait devant. Oh, j'ai chita, croisé, j'ai emmené, et puis la plus brésil. Librésie? Oh! La librésie même! De quel droit? Ah non! Alors, bon maintenant. Et madame, côté madame? Madame l'office là. Ah! Bon. Ça m'a compté ça pour faire. Madame l'office. Appelez poésie. L'autre appelez poésie. T'as les mains. Mais. Yo ça, moi? Ah! Nous ça, yo ça, moi? Mais c'est vrai! Donc, yo seul? Non! Yo pas seul! Prêtez. Maître Richard, vous ne pouvez pas défoncer tout. Mais si vous êtes à rester dans le couloir, attendez, gros français qui a sorti dans le bouillon de Jackie. Oh, oh. Bon, on va aller. Par contre, comment on va faire ça? N'y a pas. Aujourd'hui, je vais dîner avec Jacques. Ça, c'était une invitation à dîner comme ça.
Bon, là je vais lire pour toi un poème de Paul Verlaine. Ces vers peignent mon état d'âme quand j'étais dans le désespoir. Ce poème s'intitule Sagesse. Sagesse. Un grand sommeil noir tombe sur ma vie. Dormez, tout espoir. Dormez, toute envie. Je ne vois plus rien. Je perds la mémoire du mal et du bien. Oh, la triste histoire. Je suis un berceau qu'une main balance au creux d'un caveau. Silence. Silence. Oh, ce poème de Vernel est triste. Oh, mais pourquoi cette mélancolie, Jackie? Eh bien, mamie, je vais changer de style. Je vais lire pour Nola un poème que j'ai écrit. Oh, wow! Ça donne acoustiche. Bon. Oh, la Richard, tu es venu écouter le poème de Nola? Écouter un poème? Nola. N. Nul ne l'égale en beauté. Oh, oh ma brunette bien-aimée. Elle, l'idole de mon cœur. A, aube de mon bonheur. Bravo! Oh, c'est joli! Tu me donnes la copie? Oh, mais oui, c'est pour toi. D'accord, merci. Bon, maintenant, moi, je vais lire mon poème à moi. Oh, mais ça, ma même ça, pas de fou, c'est qu'à coche d'oreille, mon nom, du bon français. Je le dis là. Eh bien, j'ai écrit aussi une poésie. Ah oui, papa va lire un poème. Oui. Que j'ai dédié à Mantoute. Oh, pour moi, c'est oui. Vrai, chérie. C'est un acrostiche. Des vers libres. Libres comme le vent. Oh. Dédié à Mantoute. Merci, Mantoute. Chérie. De rien. Mantoute. M. Ma boule pique bien-aimée. A, à la porte de mon amour. N, n'entre pas sans frapper. T, to. Oh, oui, maintenant tu peux entrer. U, une odeur de pomme mal cadie. T, t'envahira. Et à côté de toi, je m'endormirai. Oh! Ah, ah. C'est joli! Ah, c'est joli! Ah. Je peux avoir la copie? Oh oui, je te donne la copie, ça pour toi! Ah, merci, mon chérie! Mon futur beau-père est un grand poète! Merci! Eh bien, nous n'allons pas rester, nous sommes pressés! Ah, mais on est en. Oui, oui, on s'en va! On va partir! On dérape! Mais oui, on voilà, s'en va! Voilà, vous devez! Bon, on va oublié! Oui! Ça, c'est vraiment pressé! On va aller au bas de nous! On va dire nous, non? Ça me fait comme dit nous! Non, mais ça n'a pas changé! Ah! Comme manger, ma balle encore pour manger, mais des piastres, mais non. Oh, des piastres pour des mounes, mais nous mettons ça, mettre des piastres. Bon, 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 bon. Voici un autre des piastres. Bon, bon, dégage avec nous. Monsieur, malgré un match, puis au passé, oui. Ou à place. Prends l'autre chaise. Jackie, viens. Ok, merci. Viens. Ah, bonjour. Regarde, il y a le poisson là. Ah oui, c'est bien joli. Assieds-toi.
Comment trouvez-vous le cadre? Oh, magnifique. Le cadre est un cadran. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cesse donc de dire des sottises. Non, mais un vieux cadran parce que nous sommes... Parce on nous sommes... garde, il y a des invités. Mais bien sûr. Un cadran parce que nous sommes quatre. Ah. Mesdames et messieurs, bienvenue au photo-feu, monsieur. Ah, c'est le photo-feu. Oui. Le feu trop peu. Ah, j'ai dit le feu au pot. Le photo-feu. Ah, pour j'ai dit le feu au pot. Alors, c'est le faux. Alors, tombez comme les mains, mademoiselle. Alors, mademoiselle, dites-moi, monsieur. Alors, quatre poulets. Poulets. Mais comment le menu au moins. Exactement. Non, on n'attend pas le menu, quatre poulets. Fini. C'est plus simple, plus rapide, plus expéditif. Mais on nous observe. Oui, mais moi aussi, je les observe. Garçon. Ah. Reste tranquille. Arrange la chaise. Vous commencez avec Bara, oui, ou c'est ça, allez. Tu n'es pas chez toi. Oui, je sais que je ne suis pas chez moi, mais... Non, là, regarde. Mais à travers ces voiles. Enfin. Mais baisse ta main. Mais il a fait exprès. Il va me surprendre. On serre les femmes avant. C'est normal. Ah. Donc on fait venir, on vient de voir côté, on va le prendre pas maintenant. On va le balle. Oh là 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 là, papa, assez. On nous observe. Bon. Quel est ce jeu de pied? Mais de quoi parle-t-il? Tu es à table! Le garçon, mais il faut attendre. Tu es à un restaurant! Je sais! Alors tu sais, puis tu continues avec tes manies? Vous comprenez que vous avez un salon à l'arrestaurant, et bien nous avons un salon à l'arrestaurant. C'est ça. Vous avez un salon qui comprend avec 4 piastres de banon. C'est bien sûr que vous avez mangé pendant que vous avez mangé le nous n'avons pas compris que si nous-mêmes nous avons vendu, nous avons fini d'acheter. Merci, Mélanie. Je n'oublierai jamais cette soirée. Ah. Moi non plus. Nola, la prochaine fois, nous passerons cette soirée seuls, en tête à tête. Ça veut dire tête à tête là. Tête à tête, ça veut dire ça. Eh bien, il y a deux ensemble, deux têtes collées. Oh, vous ne pensez pas que ce serait mieux de passer cette soirée en quatre têtes collées? Eh bien, la guichette, c'est simple. Tu n'auras qu'à m'inviter à dîner en tête à tête. Tête collée avec toi? Je crois ça. Garçon! L'addition, s'il vous plaît. L'addition? Hein? Pour qui c'est mon ville, Maria? Où est-ce que moi t'ai invité mon ville? Moi, chacun met le papier là. Oh. Oh.
Mais combien d'additions il y a? T'as curieux, mon grand, combien d'additions il y a? Oh, regarde toi-même. C'est simple. Ah, ma tête là, répond quoi? Ah bon? Oh, mais avec 30 dollars à la caille, moi, c'est toute une semaine nous faire manger à tout le monde. Oh. Mais c'est pas bien, c'est pas vous-même qui a fait frais. Et puis, il faut qu'on ait très bien que c'est pas la caille où il y est. C'est dans un restaurant. Oh, je sais. Et bien la paix. Et pas bal 32 dollars, il dit 30. Voilà, c'était 30 ballons de deux après. Deux non, mais c'est un pourboire. Mais exactement, pour il boire. Faut donner un pourboire au garçon. Oh, on fait un ballon de la pourboire. Si besoin de boire, on y balle cola, fini. On n'a pas parlé de boire, mais de pourboire. Oh, pourboire. Mais ça, c'est pas une addition, c'est une multiplication. Bon, pendant que nous sommes tous réunis ce soir, c'est l'occasion pour moi de vous annoncer que je compte me marier le plus tôt. Vous mariez? Avec qui? Mais avec Nola. Oh, c'est ainsi que vous prenez vos décisions? Vous n'êtes pas décision comme ça? Écoute, le Guichard, cette comédie a assez duré. J'en ai assez maintenant. Oh, c'est ainsi qu'il dit que je compte me marier. Ha. Mais, monsieur Languichard, avez-vous une objection quelconque à ce que je me marie avec votre fille? On vous écoute? Si j'ai une objection, non, je n'ai pas d'objection. M'accepter à ce que j'ai acquis marié avec Nola. Oh! Oh! Papa, tu as ce cœur. Ah, un cœur d'or. Enfin. Merci, monsieur Lachan. Mais à une condition. Ah, il y a une condition. À condition que Jacqueline me présente ses parents. Ah! Au moins sa mère. Mais sa mère est morte, tu le sais bien. Eh bien, qu'il présente son père. Mais son père est à l'étranger. Mais tu le sais aussi. Mais quand on compte les mounes pas le marier, puis pas jamais présenter tes parents. Le père. Cette comédie a assez duré. Ça, c'est duré. Je ne veux plus être voir que jouer, monsieur Langchat. Cette fois-ci, je m'en vais pour de bon. Oh, oh. Mais attends. Au revoir, Nola. Je veux le père. Au revoir. Attends, Jackie. Mais Jackie, papa, tu as fait exprès. Ça, c'est de la méchanceté. Oh. Ouf, comme j'ai honte. Le père ou pas de mariage?